je pense que pour nous, cette opportunité que Aegis nous offre aujourd'hui est la bienvenue. Comme notre pays a connu des problèmes et des conflits, on nous a parlé des étapes du pardon, on nous a parlé aussi comment un conflit peut partir de là, désescalader jusqu'à atteindre la solution, la paix, ainsi de suite. Je pense que ça sera plus utile pour nous et sur place, quand on parlera de travailler sur le terrain, de travailler avec la communauté sur place. Cette délégation qui vient de Centrafrique, ils venaient d'apprendre sur le processus de réconciliation au Rwanda. Ils voulaient savoir comment est-ce que le Rwanda a fait. Pour eux, c'était un miracle. Mais nous les avons entretenus, nous avons montré que ce n'est pas un miracle. Le Rwanda a travaillé pour arriver à ce qu'il voit aujourd'hui, dans le processus de réconciliation. Nous leur avons transmis ce que nous avons appris de ce processus. La première chose, c'est que le Rwanda a une volonté politique. Un pays doit avoir une ligne politique pour la réconciliation. On a bien vouloir arriver à la réconciliation, mais si on n'a pas une détermination, s'il n'y a pas de volonté politique, on n'y arrivera pas. Nous leur avons aussi partagé qu'il faut que la communauté soit impliquée dans tout le processus de réconciliation. Vraiment, quand je suis venue ici au village de la réconciliation, ça m'a beaucoup impressionnée. Et c'est la première fois de voir comment les gens témoignent de ce qu'ils ont eu comme difficulté, comme crise, comme souffrance. Ils ont vécu des choses, mais ils se sont vite se pardonnés, se réconcilier maintenant et vivre ensemble. Il fallait que nous aussi, nous puissions voir cet exemple-là pour mettre aussi en application chez nous en Centrafrique. Avec nos sœurs du Centrafrique, nous avons parlé de la gouvernance, surtout au Rwanda. Et nous avons beaucoup parlé de la gouvernance participative et de la bonne gouvernance dans le sens que nous sommes des organisations de la société civile, des citoyens, mais qui voudraient contribuer à la reconstruction, la construction du pays, qui voudraient porter la voix des citoyens au niveau des politiques, des programmes, et qui voudraient influencer la vie des populations dans un sens positif. Mon impression par rapport à ce qu'on avait vu, vraiment, c'était vraiment un poids et c'était un peu choquant. Et ça m'avait donné l'envie même de pleurer. Et je me suis ressaisie. Je me suis ressaisie en tant qu'humain en voyant les corps étalés, les corps des gens, les crânes qui étaient éclatés suite à des clous enfoncés durant le génocide. Et nos frères ont su surmonter ce qu'ils ont vécu et ils ont établi ce mémorial pour pouvoir rappeler le sombre passé au peuple pour ne plus recourir à la violence contre leurs semblables. Nous les avons montré des témoignages des enfants qui avaient 10 ans et qui ont assisté au génocide. Premièrement, il y a une maman qui nous a déclaré publiquement que le témoignage d'Olivier ressemble à celle de cette femme-là. Elle a dit qu'elle a perdu son garçon lors des massacres qui se sont produits à la République centrafricaine. Elle a dit que la seule différence est qu'elle n'a pas été à mesure de connaître ceux qui ont tué son enfant. Après le tour sur l'exposition mobile, elle a dit que ses cicatrices arrivent à avoir les blessures, arrivent à avoir le médicament. L'exposé que nous avons eu avec nos sœurs, c'est l'exposé le plus riche. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, voilà, je vois de mes propres yeux, le bourreau et les victimes sont ensemble. Ils dorment côté à côté. Je vais prendre l'exemple de mes sœurs victimes de Rwanda pour aller exposer à mes sœurs qui sont restées en Centrafrique. En rentrant au pays,
je vais être ambassadrice de la paix.